Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui, nous allons parler du GTA+. Mais tout d'abord, juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à lâcher le petit like. Ça fait toujours super plaisir. Un très grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et on peut commencer la vidéo. Donc, ce GTA+ va jusqu'au 10 mai. Bientôt le mois de mai, ça passe hyper, hyper vite. Mais de notre côté, tant mieux, bientôt l'été. Et bientôt peut-être un nouveau DLC, et bientôt peut-être une nouvelle annonce pour GTA 6. Non, en vrai, j'aimerais bien, je commence à me brûler les doigts un peu, là, je l'attends. Je tenais jusqu'à maintenant, mais là, depuis quelques semaines, je veux qu'il arrive, quoi, ce GTA 6, je tiens plus en place. Donc bon, bref, donc le GTA+, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je vous le rappelle, comme chaque mois, eh bien, c'est un abonnement que vous pouvez avoir sur GTA Online, donc c'est sur les consoles PS5 et Xbox Series X et S. En gros, c'est pour la version next-gen, et il est au prix de 6€ par mois, donc 5,99€, et vous avez des avantages exclusifs. Donc voilà, il y a des fois où vous avez vraiment beaucoup beaucoup d'avantages, où c'est intéressant, où il y a des mois, bah voilà quoi, sans plus. Bref, donc pour ce mois-ci, vous avez toujours les 500 000 GTA dollars qui sont offerts, on prend, toujours cool, pour ceux qui l'ont. En doublé, vous avez les ventes au dealer, donc c'est le dealer qui spawn sur la carte, etc. Voilà, c'est doublé quand vous allez lui vendre des trucs. Je vous ai fait une vidéo sur tout savoir sur ça, si jamais. En 1,5 doublé, les RP et les GTA dollars, vous avez les ventes d'acide, et vous avez la vitesse de production du labo d'acide qui a augmenté de 50% pour ce mois-ci. En vrai, c'est plutôt cool. Vous avez moins 40% sur les armes et les munitions du Gun Van. Voilà pour les petites promotions. Maintenant, on passe à ce que vous avez de gratuit si vous êtes abonné au GTA+, encore une fois. Alors, vous avez de gratuit la Karine Bor plus le motif Nouze. Vous avez les nouvelles peintures Caméléon, perle bleue foncée et perle prismatique vert. Vous avez les améliorations du personnel au labo de Met. Vous avez le labo de Met de Palito Bay qui est gratuit aussi. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas, c'est plutôt cool. Il est stylé de l'avoir là-haut, je trouve. Ensuite, vous avez les demandes de véhicules à partir du menu d'interaction. Vous avez les compétences de PDG qui sont gratuites. Vous avez le service de taxi plus la réduction du cooldown. Donc si vous prenez un trajet en taxi, eh bien, il est gratuit. Enfin, si vous faites trajet instantané. Et si aussi vous avez une réduction du cooldown. Donc vous pouvez faire des trajets instantanés chaque 5 minutes. Alors que ceux qui ne sont pas abonnés au GTA+, c'est toutes les 48 minutes. Ce que je comprends toujours pas pourquoi ils font ça pour un service de taxi, mais t'inquiète. Et enfin, pour finir, vous avez le motif projection pour la batte de baseball et tache de sang pour le couteau, qui sont gratuits aussi. Donc vous vous connectez à GTA Online, vous allez pouvoir aller récupérer tout ça. Donc n'hésitez pas si jamais ce n'est pas fait. De toute façon, vous avez un mois pour le faire. Enfin, moins d'un mois là, actuellement. Mais voilà, en tout cas, ça passe très vite. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Enfin, un bon samedi, dimanche. C'était BGK, bon game sur GTA 9. Ciao tout le monde.